Hey, 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 salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de From Dust. Vous savez, la petite tribu de primitifs que nous aidons, car nous sommes un dieu vivant, je suis une déesse, n'est-ce pas? Et de mon souffle sacré, je peux aspirer le sable, la lave, l'eau, et créer des passages, des ponts, et édifier des villages. Je suis la mémoire du peuple, je suis le peuple, je crée le peuple. Bref, après ce petit discours démago, nous allons jouer tout de suite à la suite de l'histoire. Et je me souviens qu'il y avait des volcans dans l'histoire, on a vu de la lave. On est parti, on va réinitialiser. Et oui, bien sûr, comme d'habitude. Allez, go! Oui, de la lave, ça va faire chaud, chaud, chaud les marrons. Des larmes de pierre, très bien. Barazamani menetrap di kushoma. Tugunu kimbaliak. Apayanganda titagbole chinak. On peut ruser que ce qu'on ne peut dompter. Ok, oh la vache! Amplifier le souffle, oui. Alors, il y a un autre totem ici, il y en a un autre là. Le volcan, il est petit encore. Oh, il y a un petit truc ici à... Ah, il y a de l'eau! J'ai vu qu'il y avait de l'eau, on va devoir jouer avec l'eau et le feu. Ah, il y a un savoir à prendre, à choper ici. D'accord. Et un autre ici. Ok, ben. Est-ce que y a moyen de moyenner? Très bien, nous avons amplifié le souffle, les enfants. Alors, ouh là là! Ouh là là! Ah, c'était pas prévu ça. Moi je pensais que... Ah! Mon Dieu! Mon Dieu, les enfants! Qu'est-ce qu'on n'a pas fait là? Mettre de l'eau dans la chaudron. Alors, il nous faut ruser. J'ai vu qu'il y avait de l'eau ici. Ah mais c'est hyper impressionnant parce que moi j'ai le casque. Je n'entends que le bruit. Oh, tais-toi, 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 tais-toi. Je veux rien savoir. Alors, on a découvert un geyser. Et il va falloir aller ici. Oh là, ça promet, hein. Je vais peut-être tuer tous mes mecs d'abord, moi, je sais pas. Oh là là! Les enfants! Mais le truc, il est complètement... Mais figez l'eau, on n'a pas de problème d'eau, en fait, on a des problèmes de lave. Et est-ce que je peux prendre de la lave pour bloquer la lave? Pas sûr. Ah merde! J'ai foutu le feu au village. Oh, j'ai foutu le feu au village. Oh mon Dieu, tout ça. Mais non, mais oui. Alors, on va refaire le village. Allez. Allez, c'est bon. Vous allez refaire le village. Ouais, je suis désolée, les gars. En fait, en faisant ça, j'ai complètement obscurci le fait que j'allais vous foutre. Parce que la lave, c'est de la pierre. Donc, on peut facilement. Voilà. On peut rediriger. Déjà, je vais les protéger en faisant ça, hein. J'ai tellement peur que. Ça continue de couler. Voilà. On va faire une petite barrière de sécurité. Ah putain, je l'ai refait cramer, c'est pas possible! Sayuro!
Ça va, il m'en reste encore 11, mais bon, quand même. Ah, j'ai un truc là. C'est de ma faute. C'est de ma faute, je suis d'accord. Oh putain, il y a une éruption. Ah non, mais c'est chaud. Bon, ils reconstruisent eux-mêmes leur truc. J'ai mis une bonbonne à eau ici, qui logiquement devrait les sauver si... bon, vous allez aller ici aussi, les enfants, s'il vous plaît. Parce que là, c'est sécurisé. J'ai essayé de sécuriser pour vous. Oh là là! Ah, ça pète dans tous les sens. Et le geyser? Le geyser, il peut pas venir nous sauver. L'eau va arriver ici. Elle sera peut-être pas assez forte. Alors, on a reçu quel pouvoir? J'ai pas tout suivi. Je vais mettre le truc là. Bon, c'est pas grave, ils vont se prendre de l'eau, bah oui. Je fais que du caca. Je fais que du caca. On va le mettre là. C'est pas grave, ils refont leur village, on est bien. C'est juste que c'est flippant parce que ici... J'espère juste que ça va pas foutre le feu pour plus tard, pour plus bas. Hop. Il y a beaucoup de choses à faire hein, quand même. C'est juste histoire d'avoir une petite sécurité pour pas qu'ils se prennent les laves en fait. Parce que sinon s'ils se prennent les laves, on est mal barré. Déjà comme ça, je les ai fait cramer, se cramer le cul déjà deux fois. À la source. Voilà. Oui, ça y est, ils sont pas contents, il y a de l'eau. Mais vous êtes chiants aussi, vous, hein. Je mets là. Ouais, ça va. Ah bah, ils vont encore se prendre de l'eau. C'est pas grave, ils vont refaire la vie. Non, ça va. Ah, voyez, là, quand même... Oh là là, ça va péter. Merde, de l'eau, de l'eau. Oh là là, oh là là, là 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 là. Je vais reprendre la bonbonne finalement, je vais pas la mettre là, je vais la mettre là. Voilà. Donc ça va répéter. Alors nous avons l'eau, le geyser qui calme ici. Mais là ça pète, ça pète, ça pète. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va falloir que je crée une protection, un mur. Parce que là, c'est même étonnant que le totem il se soit pas fait cramer le cul. Mais là, on a plein de trucs quoi. Oh putain! Oh putain! Je vous ai dit que ça allait passer. Il y a des bruits, je vous raconte pas. Mais pourquoi il peut plus... il a plus assez de force pour se déverser ici ou quoi? Mais ça va foutre le feu au village. Ah non, c'est bon.
y a des bruits, je sais pas trop à quoi ça sert. C'est flippant. Alors là, ça s'est calmé. On va prendre la lave qu'il y a ici. On va... D'accord. Je pense que ce niveau va être quand même un tout petit peu plus compliqué. Je le sens comme ça. Un tout petit peu plus compliqué que d'habitude. Ouais. Attention, ça va rentrer en éruption dans peu de temps. À partir de ce moment-là, après je pourrais plus. Là, l'eau, c'est pas très grave. Ce qui va être grave, c'est... C'est que ça va péter. Et je vais encore faire des bons. Il va aussi falloir... Ah, on a aussi engouffré, éteindre les feux, figer l'eau. Ça, c'est bien ça. S'il va falloir... aller jusque-là pour choper... Oh putain. Par contre, c'est tellement bien fait. Le petit pétard. C'est tellement bien fait, l'illumination de... Que de l'explosion et tout, c'est impressionnant, quoi. Alors, on va voir. Là, je peux plus rien faire. Là, on a de l'eau. Faut que j'ai un... Ah, on a un truc ici aussi. Ok. Ah, mais oui, alors attendez. Je peux peut-être ruser en prenant de la lave. Et en bloquant l'accès ici. Je sais pas ce que je fais. Hein. En fait, l'eau, elle va éteindre directement la lave. Pour... En fait, c'est pour avoir accès ici. Je fais peut-être n'importe quoi. Hein. Ah ouais, ça marche, hein. Mais je pense que ça marche, hein. Non, ils vont se faire noyer. Ils vont se faire noyer. Ouais. Retournez au village, les enfants. C'est pas encore nickel. Mon plan n'est pas encore nickel. Si, ça y est. Si, si, ça y est, ils vont pouvoir y aller, mais je suis pas sûre. Il y en a qui vont se faire cramer les fesses. J'aimerais pas être à leur place, hein! À marcher sur les cendres d'un volcan comme ça. Bon, ils y arrivent. Ça doit être chaud, chaud, chaud les marrons quand même. Pour l'instant, l'eau elle passe. Oh, ça va péter. Ça va péter. Oh mon dieu! Ils font pareil qu'avec l'eau! Ils sont formidables, c'est primitif. Le pouvoir de figer l'eau. Et du coup, là, l'eau, elle a figé... Enfin, voilà, j'ai plus de problème. Waouh, mais ça m'impressionne toujours autant. Après, de toute façon, si je creuse une... Si je fais une digue qui ne correspond pas... Alors, est-ce que l'eau... Si ça correspond pas, je peux toujours faire péter, donc ça, c'est pas très très grave. Alors, on est bien. Il va falloir aller là-haut. Ici, ça a quand même... Je veux bien de la lave, s'il te plaît. Comme il y a une source d'eau là qui... En fait, il faudrait que tu... Voilà, que tu te déverses sur le côté, ma belle.
Ça, moi, ici, je sauve le totem là. Merde. Merde. Ils ont quoi? Ah, il n'y a plus assez d'eau pour les sauver. Oh, ils sont en train de se cramer le cul. Oh là 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 là. Mais eux, ils s'en sortent. Oh putain. Le passage, il est là, j'ai même pas fait gaffe. Bon, il faut que je consolide le côté du village. Mais pourtant, vous, vous savez vous gérer, quoi, non? L'eau, elle passe plus là où il faut, en fait. Vous pouvez aller là. Je vais mettre du sable, plutôt, pour qu'il puisse y aller. Merde. Ah, c'est parce qu'ils ont de l'eau. Dépêche. Putain, mais en fait, je suis concentrée là, je parle pas beaucoup. Je suis en train de tuer tous mes mecs. Ouais, je suis bête, hein, je vais figer l'eau et puis c'est tout. Hein. Voilà. A plus problème. A plus problème. A plus. En même temps, qu'est-ce que vous foutez partout là, les gars? On vous a pas dit de vous balader partout dans la baraque, hein? Ouais, les petits enfants, retournez vite à la maison! Là, on a un pétard. Voilà, ça a fait péter ici. Il faudrait que... Oh là là. Eux, c'est bon, hein, ils... Oh, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Parce que ils sont en train de se faire une barrière de taré. Là, c'est presque safe, hein. Oh, oh. N'importe où, les gars! Ils vont se cramer le cul! Ah! Ah merde! On les voit mourir! C'est pas le bon plan de figer l'eau! Mais en fait, là, c'est. Oh là là, mais c'est le bordel! Je suis en train de faire nawak. Bah oui, mais bon, les gars, on n'a pas fini de coloniser là. Eux, de toute façon, ils sont protégés au moins. Lui, c'est pas quoi faire. Bah, gars, je sais pas. Vas-y. Vas-y, là, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, mon gars. Mais vas-y. Mais qu'il est con.
Vas-y, retourne chez toi. Oh putain, et alors, le pire c'est que plus ça devient de la terre, oh là là, moins on peut... Enfin, ça va être compliqué quoi. C'est ça que je prends. Bon, va falloir qu'on colonise ici les enfants parce que là ça va plus. Ah, j'arrive pas à mettre. J'adore parce que l'eau, comme elle est figée, voilà quoi. Non, c'est pas encore bon. C'est pas encore bon. Le terrain est pas... Ah, il est trop hostile. Ça y est. J'ai peur, putain. Parce que là, il y a l'eau et tout qui revient. Ah non, mais ils vont jamais pouvoir passer, là. Oh, la lave! Oh, la vache! Ils sont en train de se cramer les fesses! Oui, je sais, les gars. Assaut ! Mais ils peuvent aller sur le bord du volcan ? Allez-y, c'est safe là. Ah, je peux pas encore figer l'eau. Ça y est, je peux figer l'eau. Allez-y, allez-y. Ah, on peut pas, ils peuvent pas. Bah ouais, mais c'est hyper compliqué à voir. Alors, attendez. Est-ce que ça y est, ils peuvent y aller maintenant? Bon, on va figer l'eau. Allez-y. J'ai pris du sable d'un peu partout pour vous faciliter la tâche, les enfants. Vous pouvez vite y aller, s'il vous plaît. Ils peuvent plus... Oh! En fait, vous voyez, quand c'est rouge, ils peuvent pas avoir accès. Et quand c'est blanc, ils peuvent. Oh là là. Oui, j'ai compris. J'arrive. Je te fais un petit pont d'Avignon. Ça va t'aller comme ça? Alors, il y en a plein qui y vont, hein. Oh putain, ça comme j'appuie au moment où ça bougeait, j'ai mis là où je voulais pas en mettre. Allez! Mais si. Voilà, ils peuvent y aller, ils peuvent y aller. Mais par contre, c'est reparti pour un tour de lave. Oh bah eux, ils seront complètement consolidés. Hein. Et puis ici, c'est nickel. Hein. Là-haut. Wouhou ! On peut engouffrer. Yes ! Alors, engouffrer, on l'avait déjà la dernière fois, c'est-à-dire que je peux absorber autant de matière que je veux sans jamais la recracher. Et c'est trop bien. Et maintenant, vous pouvez voir un peu mon gameplay, là. À part ici, où c'est encore un peu compliqué. Ici, c'est grave safe pour aller là. Éteindre le feu. Il y en a qui sont bloqués. Mais non, les enfants, mais non. Mais non, les enfants. Mais par contre, il y a quasiment plus de lave. Il y a de l'eau. Il y a juste un truc qui me chagrine. C'est qu'il y avait un truc ici à découvrir.
sans pour autant éteindre le geyser, ce serait super. J'aimerais bien y aller, mais je suis pas sûre qu'ils peuvent. Hein. Quoique si. Si, si, ceux du village derrière, ils peuvent. Ouais, ils peuvent même y aller là. Bon, par contre, ça va être au bord du volcan, quoi. Ça me fait peur, hein, parce que ça va péter. Hein. En fait, je suis en train de me dire, et si je prends de la lave pour en faire un bouchon? C'est en fait quand moi je la prends, elle devient solide, elle devient de la pierre. Et si je faisais un bouchon avec... ça va péter, ça va péter, ça va péter, ça va péter! Non, ça ne marche pas. Oh là là! Ayuda! Ayuda! Tu vas te faire cramer le cul, gars! Le engouffré, engouffré 2! Comment je vais sauver le cul d'un seul mec? Ah bah, il est en train de faire de la musique! Je suis en train d'engouffrer de bâtards. Ok. Et mon mec là-bas. Ah, il va falloir que j'ai... C'est bon. T'as besoin d'aide? Qu'est-ce que tu veux? C'est pas assez stable pour toi. Est-ce que c'est bon? Tu peux y aller? Il peut. Nouveau compte, la mémoire tribu. Ah merde, c'est juste pour un compte. Je me suis cassé les fesses pour ça. Est-ce que je peux amplifier le souffle? Oui, c'est 3. Vous savez pourquoi? C'est pour faire ça. C'est ridicule peut-être, mais... On va aller relaisser l'eau parce que sinon... la truc de terre, quoi. Bon, tout le monde va bien? On va conquérir le dernier territoire? On va éteindre le feu? Qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est qui va pas bien? Oh, c'est bon. Cassez pas les pieds. Alors, le dernier village. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu besoin de... ça pète. Je vais essayer de protéger le passage. Mais non! Oh là là, vous êtes casse-couilles un peu quand même. On n'aura pas eu besoin de faire péter les parois pour l'instant. Pour l'instant, le passage est safe. La lave avec l'eau. Mais là, ils jouent leur truc. Ils sont trop forts, mes villageois. Ah. Ah bah oui, bah écoute.
Qu'est-ce qu'ils ont? Ça se passe pas bien chez vous? Mais il faut jouer de la musique. Ah, ça y est, j'ai le 4e village. Maison? Mais là, toi? Attendez, je prends encore de la lave. C'est bon? Vous avez quoi comme problème? Mais non, tout va bien. Le passage est ouvert. Merde, éteindre le feu. Oh, ils ont un tout petit peu d'eau. Mais alors, les enfants? On crise pour un tout petit peu d'eau? Préférez de la lave? Comment ça se passe? Wouah! Il pleut, attention, ils ont... Ah merde, les bâtards! Ouais. Ah mais alors leur pluie chez eux, elle est très très... Merde! Éteindre le feu, c'est 4. Palmier. J'ai appuyé sur 4 et ça n'a pas marché du tout. Merci. J'en ai pas assez. Ah mais c'est devenu que du sable. Ah, c'est trop drôle. En fait, quand il pleut, j'ai une masse de sable. Oh là là, ça va péter. Ça va péter, ça va péter. Et voilà! Bon, on est quasiment sur la fin, de toute façon. Ah! Mais pourquoi? Il y a un arbre à feu dans le coin ou quoi? Mais oui. Faites gaffe parce qu'il y a la lave qui revient. Je protège le passage. Mais pourquoi ça prend feu? Je suis méga concentrée là. Alors, une grande partie du territoire. Ok, très bien. Mais pourquoi ça prend feu tout le temps? Il y a un arbre à feu dans le coin ou quoi? Là, je comprends pas pourquoi ça prend feu. Tu vas te taire le feu, oui! Merde! Non, non, c'est bon, celui-là, il a un peu d'eau, effectivement. Aidez-moi. Oui. En même temps, avec toute la végétation qu'on a mis, tu m'étonnes que ça va prendre feu. Oh là là! Éteindre le feu 4! Mes bonbonnes à eau! Les bonbonnes à eau que j'avais, elles sont où? Elles sont mortes, mes bonbonnes à eau. Ah, ça va péter encore! Oh là là! Le passage, il est ouvert ou pas? Ouais, bon, on va aller au passage. Ah non, mais là, pour abréger leur souffrance et les miennes. Les palmiers fouillent la terre de leurs racines, les arbres parlent avec le vent et les herbes. Notre chemin y a décelé la voix des anciens. Sur
tout le territoire. Oh merde! Ils se sont cramés le cul. Eh ben non. Je vais pas pouvoir accéder. Oh putain. Vite, il me faut de la lave! Et il me faut de l'eau. Non, c'est bon. Oh, c'est le bordel! C'est le bordel, les enfants! Ah putain, de la lave! Vite! Oh la vache! Oh là 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 là! Allez là, vous êtes plein! Vous pouvez pas venir ici! Vous êtes safe là! Oh putain! Je peux avoir de la lave? Y'a plus de lave? Je reconnais même plus le paysage! Ils sont tous en panique! Ah, il pleut! Merde! Oh, mais ils arrêtent pas d'appeler à l'aide partout, là. Ah! Engouffrés, ils ont eu de l'eau. Ah, putain. Au secours! Mais pourquoi il y en a qu'un? Mais ils sont bloqués au-dessus, ces idiots. Moi, je voulais prendre du sable, hein, mais c'est pas grave. J'y arrive pas. Mais je veux prendre du sable, les enfants. C'est un peu compliqué, hein, quand même. Ça y est, ils y arrivent. Oh là 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 là. Mais vous êtes pas bloqué là, ça fait une heure que vous êtes à côté. Au secours. Allez, encore un. Et on a fini. Ah non, parce que là, c'est un peu compliqué quand même, hein. Mais oui, mais vous... Ah, vous me cassez les pieds. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Ah, ça y est! Oh, par contre, c'est très très bon. Ah, j'en peux plus. Ah, je vous jure, celui-là, il était chaud encore, hein. Alors, on va voir une petite, petite annonce de ce qui va se passer pour le prochain niveau. A priori, pas de lave. J'en peux plus. Ça a l'air d'être désertique. Bon. La terre curieuse ici. Apparemment, il y aura de la lave et de l'eau. Bon, mais j'espère que cet épisode un peu compliqué vous aura plu. J'espère vous revoir très vite pour un autre épisode de From Dust ou d'autres shows. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut!